Listen. Guillaume Cromer, directeur du cabinet ID Tourisme, président d'acteurs du tourisme durable. Et mon signe distinctif, c'est que j'ai pas ma langue dans la poche. Allez, on y va! Le tourisme durable en deux mots, c'est comment on va réussir à intégrer les enjeux du développement durable sur les trois piliers, social, environnemental et économique, dans le secteur du tourisme. C'est difficile de répondre en deux mots, mais en gros, c'est par exemple comment on va lutter contre l'overtourisme en ce moment dans les villes, c'est un sujet assez d'actualité, mais aussi comment on va faire en sorte de respecter les problématiques environnementales dans le développement touristique ou encore la question du climat dans le tourisme. Quotidien, ça dépend des acteurs qui s'engagent pour une destination. Ça veut dire justement de monter dans la stratégie et dans l'ambition des enjeux autour du développement durable. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai une vraie problématique sur la question de la performance touristique et de savoir comment on pourrait repenser les critères en fait de performance touristique, que ce soit pas uniquement en fait de l'économie et de la finance, mais que ce soit aussi comment on allait intégrer les externalités sociales et environnementales et ben dans le prix et dans cette notion de performance. Et ça, on aura réussi à faire quelque chose de fort. Trois ingrédients, ça va être la sincérité du porteur de projet, que ce soit pas juste du greenwashing, mais qu'il y ait une vraie sincérité d'engagement. Deuxième ingrédient, je dirais l'innovation, parce que l'innovation doit aussi intégrer dans les enjeux de développement durable. Et enfin, je dirais la pertinence par rapport à l'expérience client et comment on rend l'engagement de manière assez sexy pour le visiteur. C'est de me confronter en fait à plein d'acteurs différents, que ce soit des tour opérateurs, des hébergeurs, des élus locaux, et d'essayer de construire en fait avec eux un superbe équilibre sur ces enjeux de développement durable. J'ai fait une formation d'économie, puis de tourisme en montagne dans les Hautes-Alpes, et j'ai fini en école de commerce pour prendre les outils de business et les adapter à ma vision du tourisme et du tourisme durable. Et derrière, j'ai bossé 6 mois dans un cabinet de conseil, j'ai quitté, j'ai monté ma boîte. Pour moi, on n'a plus le choix, c'est pas un luxe aujourd'hui de rentrer sur ces questions de développement durable dans le tourisme, parce qu'on est à l'aube de graves problématiques autour de l'extinction, autour de presque de l'effondrement de la civilisation. Et je me dis que si on veut faire perdurer en fait le secteur du tourisme, on a tout intérêt aujourd'hui à s'engager sur ces questions de développement durable. Soyons engagés au quotidien, aussi dans nos choix personnels par rapport à cette question de développement durable. Pour chaque acte de consommation, faisons le choix de savoir si c'est vraiment pertinent, à la fois pour nous, mais à la fois pour la planète.